Bonjour, bonsoir, chers amis de Filmax Elegancia. Je tiens à nous parler de habillement garçon. Merci à vous cacher nous, même qui est toujours là, ou même qui abonné, ou même qui pourquoi abonné, nous invitons à faire ça pour ne pas rater aucune notification lorsque une nouvelle vidéo a sorti. L'homme mette chemise en deux pantalons, ou doit mettre ceinturon. Et ceinturon doit même couleur à chaussures. Et pour ne pas mettre veste, pas mettre cravate. Cravate là doit arriver exactement sous boucle ceinturon. Sous boucle ceinturon. C'est vrai, l'orchita est capable de dépasser boucle là. Mais du moment que vous debout, cravate là doit arriver exactement sous boucle ceinturon. Lorsque vous campez, vous tâchez bouton milieu veste là. En l'air, s'ouvrez. Parfois, le wapchita ou capable de tâcher ou capable de détacher pour vendre ou prendre liberté, si vous êtes trop gros. Mais du moment que vous campez, bouton milieu a doit toujours tâcher. S'il y a trois et s'il y a deux boutons qui en bas, pas doit tâcher. Poignée chemise, yo garçon, doit plus long que manche veste là, 1 à 3 cm de longueur. Pas plus, pas moins. Pli pantalon doit toujours bien visible lorsque vous mettez costume. Pli pantalon, costume là doit toujours bien paraître. Costume de pièce, rete et demeure costume qui plus porté et qui plus élégant qui te capable de gagner pour garçon. Veste croisée, gagne côté coca lavelle, gagne l'eau pas qu'à mettre li, mais veste droit lui-même, deux pièces là, li capable d'aller tout côté et capable de mettre n'importe qui l'est pour n'importe qui circonstance. Li rete la référence de la tenue de ville pour garçon. Lorsqu'un garçon chita, chaussettes ou pas doué plus court que pantalon. Pied pantalon arrivé là, chaussette là doit arriver plus haut pour le capable couvrir pour pantalon couvrir chaussette là, ou pas doit ouais parti à vide dans pied non. On doit ouais chaussette là arriver côté pantalon doué côté pantalon lui-même li limité a. Puis on mettait chemise couleur brillant, couleur claire dans funérailles. Ou mettez des couleurs sombres, comme si on a dit couleurs calmes. Parce que pas oublier que funérailles, c'est un lieu de tristesse, que ce n'est pas un lieu de réjouissance. Ou mettez des couleurs très sombres. Lorsque vous parlez d'une cérémonie officielle, une cérémonie de grande envergure, vous mettez encore des tenues sombres, costumes sombres, chemises sombres. Lorsque vous parlez l'église, vous parlez d'un dîner, vous parlez d'une rencontre, vous parlez d'une fête. Pour aller mariage, etc. Là, vous pouvez mettre des couleurs claires, comme bon vous semble. Faites élégance ou faites chelbert, là, il n'y a aucun problème. Lorsque vous mettez costume noir, c'est chaussures noires que vous devez mettre avec lui. Costume noir, pas de droit mettre chaussures l'autre couleur avec lui. Sauf que c'est un mode que vous avez annoncé. Vous pouvez mettre d'autres couleurs. Mais quand il s'agit de réunion de grande envergure, de réunion officielle, cérémonie funéraire, c'est chaussures noires. Pas mettre veste, c'est une chemise manche longue, ou doit mettre avec lui. Ou pas mettre une chemise bout manche avec une veste. C'est vrai, quoi, il couvre ou pas pour elle, mais il faut manche avec là. Il doit gagner 1 à 3 cm de longueur en plus de veste là. Si veste ou gagne rayure, il gagne barre, ou pas mettre une chemise qui a barre encore, qui a rayure encore. Par exemple, pour un cocktail, on peut mettre des couleurs claires. Pour un mariage, on peut mettre des couleurs claires. Et puis, on a une veste à rayures sur vous. Et puis, on prend une chemise avec des rayures d'autres couleurs, etc. Pour l'été, non. Gagner de les deux couleurs, c'est la même couleur. Yon rayures, yon rayures capable mettre yon rayures même couleur. Mais là encore, c'est très difficile. Choix ça très difficile. Vaut mieux que vous mettez un uni qui allait avec à bord, à rayures que vous pouvez mettre. Et pour pochette là et pour cravate là tout. Ou pas qu'à mettre en chemise à bord et puis vous mettez une cravate à fleurs, une cravate à motif, non. Vous mettez uni avec lui. Évitez de mettre une chemise à bord et puis une cravate qui n'est pas allée avec la couleur qui est dans la chemise là. Chaussée à tout doit toujours couleur pantalon. Ça qui arrive, c'est même genre pour cravate là, il est capable de gagner des motifs là-dedans. Il est capable de gagner une rayure, il est capable de gagner l'autre bagage là-dedans, mais c'est couleur pantalon en brillé. Par exemple, mettez un pantalon crème ou une chaussette crème pour mettre. Chaussette là capable de gagner un petit motif qui a une autre couleur nuancée là-dedans, mais il faut les crème pour les couleurs pantalon. Ou pas capoter une cravate bleue sur une chemise bleue. Par exemple, chemisier moins bleu,
bleu ciel, et puis c'est son garçon, et puis mettons une cravate bleu ciel sur lui là encore. Non, peut-être cravate là capable bleu ciel là à rayure, il y a une autre couleur qui passe là-dedans. Il y a rayure bleu ciel passe là-dedans. Là c'est cool, c'est élégant, mais mettons bleu ciel ça, il nous font cravate même bleu ciel ça peut tirer. Non, faut qu'il y ait un autre bagage qui pour y différencier yo. Évitez cravate noire sous chemise marron, vice versa. Marron avec noir là pas vraiment matché. Même si c'est pour funérailles, bah. Lorsque vous mettez un veste, il doit ajuster sous corps. Pas qu'un size ou S et puis vous mettez un costume, un veste qui XL. À qui ça va ressembler? Vous mettez un qui sur mesure, surtout lorsque c'est costume, c'est veste croisée que vous mettez. Côté que vous mettez un veste droit, vous avez un petit excès de largeur qui n'est pas trop grand, mais. Quand il s'agit de costume croisé, là, il doit ajuster sur, il doit sur mesure. Pochette avec cravate, il doit gagner une couleur en portage. Vous pouvez mettre une pochette à fleurs, vous mettez l'autre cravate, l'autre à fleurs. Encore, vous pouvez mettre une mini, bien tout aussi aux mêmes couleurs. Okay. Là, mettez smoking, vous pouvez mettre cravate. Vous mettez un petit briseau, le papillon. Puis smoking, non, vous mettez pour aller dans un cocktail, dans un mariage. Côté des festivités, pour pas aller dans une cérémonie officielle avec smoking, pas aller dans un funérailles avec smoking. Sauf que son troupe gagne une prestation que on va le faire, ça c'est uniforme yo. En smoking non, c'est costume parfait pour aller dans casino, dans théâtre. Smoking non porté seulement le soir. Plus cérémonie en gagne importance, plus cérémonie en high level, c'est plus on va mettre des couleurs sombres. C'est-à-dire oh, grand bail ça va mettre en couleur pour yo wema. Ouais, non, grand investiture présidentielle là, ouais, mettons couleur pour yo, ouais, là, mettons orange, bien frappé. Non. On va mettre des couleurs sombres pour cérémonie officielle. Tout autant que cérémonie en plus en pleur, on mettez des couleurs sombres. Des, tout autant que cérémonie en plus en pleur, on mettez deux couleurs. On pas mettre plus que deux couleurs. C'est vrai que trois couleurs pour protocolaire, quand cérémonie en plus en pleur, ou mettez deux couleurs seulement, pas plus. Merci à nous tous messieurs qui t'a suivi moi, qui t'a demandé une petite info sur habillement garçon. Et merci à nous toutes mesdames qui voient le vous sur sur Marino. Moi invitez nous abonner ou même qui pourquoi abonner et comme ça on a besoin plus. Merci et à la prochaine pour une prochaine séance.